Salut les potos, c'est Windows67. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, vite fait, bien fait. Je pense qu'elle est de retour. Les gros bénéfs sont refaisables. Donc là, je suis sur Santikazor là. Le TOTS 90MC. Vous pouvez voir, son prix départ est à 150. Le moins cher en achat immédiat est à 190. Et après. 194, vous voyez, le 190 est parti. À 210, il y en a quand même un peu plus. Pas des masses, il y a deux pages peut-être, deux pages. Donc c'est faisable. Donc elle est de retour, la Tech 59. Donc, son prix c'est 150, 600, 600 et des brouettes. Donc à 190, si vous essayez le taper à je sais plus combien, à 170 et vous le revendez 190, les petits 15, 13, 14, 4 bénéfs, c'est plutôt sympa. Moi, il y en a 4 qui me sont passés sous le nez là en l'espace d'une demi-heure à 160, 165. Après, ma connexion à moi est un peu flinguée, donc je pense qu'il y a moyen de se faire un petit bénéf sur le Santikazor là. Après, le deuxième joueur à cibler, c'est échanger joueur. Pardon, je l'avais dans une autre équipe, mais c'est le Doréatops qui part prix de départ si les serveurs veulent bien nous suivre, qui prix de départ 140. Et on va aller voir, normalement, d'après ce que j'ai vu, c'est 180 le moins cher sur le marché. Et le troisième joueur, c'est Fabregas, qui est plutôt intéressant aussi. Ça, je parle toujours sur Xbox, hein, les prix sur Xbox. 182, 186, il n'y a rien. 191, 190, on en a un, et son prix de départ est à 144 000 crédits. Donc, il y a moyen d'en taper un ou deux et de se faire franchement du bon bénéf. Après, ça vous de voir. Moi, je pense que surtout quand il y aura des la nouvelle Team of the Week là, enfin non pas Team of the Week, les nouveaux TOTY, non TOTS qui sortent ce soir. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, les gens vont pas qu'il y a pas beaucoup de joueurs or, les gens vont pas qu'il y ait quand même du or. Il risque d'y avoir des happy hours. Donc la Tech 59, franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Je pense que c'est. Je suis même sûr que c'est faisable. Faut juste les choper, qu'ils tombent et que vous les chopiez. Et là, vous faites du bénéf garanti. Donc, le troisième joueur, ça a utilisé, c'est Fabregas. On peut aller voir son range de prix tranquillement. Tac, 120 000, 490 000. Et j'en ai pas vu en dessous de 180 000, je crois, ou 160 000. Donc c'est faisable. Franchement dit, c'est faisable. Après, on peut aller voir le Marco Verratti. Le prix est plutôt chiant pour le Marco Verratti. Ça vaut pas la peine, le Verratti. Le Gonalon, je pense pas. Le Anderson, 48 500. J'ai dit, je veux voir le Anderson. Quand... Ouais, non, ça. À la rigueur, si vous voulez en prendre plusieurs et les remonter, c'est faire une tech avion dessus. Non, je pense même pas que ça vaille la peine. Il y en a déjà qui le font, mine de rien. Après, si vous le tapez à 42 000 au prix le plus bas et vous le revendez, moi non, ça vaut pas la peine. Mais voilà. Donc, ces joueurs-là sont plutôt intéressants. Et trêve de plaisanterie, tout ça, c'est du premier détenteur. J'ai chopé deux réas aussi, mais je l'ai revendu. J'ai pris 10 buts en 2 matchs, donc je me suis dit, va te faire foutre, joueur de merde. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que vous ferez un max de bénéf. Moi, je vous dis à très bientôt et allez check le trailer de Road to Million. Allez, ciao, ciao! I'm about to rage quit. If you're so mad, stop acting like a bitch. Turn the game off, nigga, go rage quit. If you're so mad, stop acting like a bitch.